matin, je vais parler à une femme. Parce que nous, femmes, on se plaît tellement. On se fait tellement confiance qu'on ne peut rien nous dire. On ne peut pas nous faire des reproches dans nos foyers. Je vais encore un peu plus loin. Il y en a même des femmes qui veulent porter la culotte dans le foyer. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous parler de nous ce matin. J'y fais partie. J'avais un sacré caractère dont je ne peux pas me retirer. Si je vous ai offensé ou si je vous offense, excusez-moi. Mais nous avons besoin de ça pour être délivrés. Parce que longtemps, nous crions à Dieu. Longtemps, nous pleurons. Et quand on va dans les églises, on court de prophète en prophète, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Seigneur, je veux un mari. Mais qu'as-tu fait pour avoir ce mari? Est-ce que tu as regardé dans ton fort intérieur pour pouvoir recevoir cette bénédiction? Es-tu prête pour cette bénédiction pour pouvoir la saisir? La femme, ce n'est pas sa beauté, bien-aimée. La beauté d'une femme ne peut pas tenir un foyer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimée, la Bible dit, Ruth a suivi sa belle-mère. Elle est partie avec sa belle-mère. Elle a fait ce qu'il fallait faire, bien-aimée. Rien qu'à cause de Ruth, Naomi a vu des petits-enfants. La Bible même dit que parmi les enfants de Ruth, Jésus est l'un de ses arrières petits-fils, bien-aimés. Qu'as-tu fait pour pouvoir mériter cela? Est-ce que tu es obéissante? Est-ce que tu es belle? Est-ce parce que ton mari, lorsqu'il dit un seul mot, tu as dit, repense déjà, bien-aimé? Est-ce parce que tu réponds à ton mari en public? Alléluia. Ce matin, on va aller en eau profonde. On va aller en eau profonde. Parce que longtemps, on parcourt les églises. Longtemps, on crie à Dieu. Quand on va dans l'autre église, on dit, j'ai crié à Dieu, j'ai pas eu de bénédiction, je m'en vais. J'ai crié à Dieu, le mariage que je voulais, je l'ai pas eu, je m'en vais. J'ai crié à Dieu, le pasteur là-bas, il n'est pas puissant. Bien aimé, je te dis, c'est faux ce matin. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas la puissance du pasteur qui élève. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole qui est en toi. C'est cette parole-là qui libère. C'est elle qui restaure. C'est elle qui élève. C'est elle qui donne le foyer, bien aimé. La Bible dit, une femme sage a bâti son foyer. Alléluia. Elle est où ta sagesse, femme? Alléluia. Une femme sage a bâti son foyer. La femme sage bâtit son foyer. La Bible n'a pas dit une belle femme bâtit son foyer. Alléluia. La femme, c'est le cœur. Bien-aimée, si Ruth n'avait pas ce cœur, Ruth n'allait pas suivre sa belle-mère. Elle n'allait pas faire tous les sacrifices qu'elle a fait pour sa belle-mère bien-aimée. Sachant très bien là-bas où elle partait sa belle-mère, même l'a dit Naomi elle-même, elle dit même, je suis vieille, je ne peux pas faire d'enfant. Même si je le faisais, cet enfant-là, tu ne pourras pas le marier. Parce que le temps qu'il grandit, tu seras déjà vieille. Mais elle a dit, ne regarde pas ça, moi je ne regarde pas cela. Comme le dit la Bible, arrière de moi Satan. Arrière de moi parce que là où tu vas, moi j'irai là-bas. Ta patrie sera moi, oui, ma patrie. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, moi, Ruth, je vais mourir là. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas dit non, quand mon mari est décédé, ma belle-mère insiste tellement, je pars. De toute façon, il y a trop d'hommes. Je peux me marier encore, je suis belle, je suis encore jeune. Bien-aimée, lorsque ton homme te parle, tu réfléchis 10 fois. Tout ce que tu penses à l'autre homme du quartier, celui-là même qui t'avait laissé depuis longtemps, qui ne t'a même pas considéré, si tu avais donné de la considération, bien-aimée, tu n'allais pas arriver là où tu es aujourd'hui. Mais dès que ton homme te fait des reproches, c'est toujours ça à lui que tu penses. Oh, j'ai mon petit copain là-bas, je fais quoi avec lui là-bas. Mais il m'embête tout le temps là. Il passe tout son temps à me parler, il me parle mal. Lui, il faut qu'on te parle mal. Il ne te parle pas mal parce qu'il veut te parler mal. Mais Dieu permet qu'il te parle pour que ce qui est en toi change, bien-aimé.